Attention, vigilance, Alexandra, on s'attend à un épisode méditerranéen aujourd'hui, expliquez-nous. Oui, en effet, Augustin, je voulais vous expliquer à quoi ressemble exactement un épisode méditerranéen. Eh bien, généralement, un épisode méditerranéen est dû tout simplement à un conflit de masse d'air. Nous avons cette mer Méditerranée particulièrement chaude en ce moment qui se heurte à un air beaucoup plus froid qui se trouve en altitude. Et généralement, cet épisode méditerranéen concerne des zones montagneuses et donc, conséquence, conflit de masse d'air. Et nous avons énormément d'instabilité entre les deux. Et avec les montagnes, eh bien, cela provoque évidemment des inondations, mais aussi des écoulement. On parle également d'épisodes cévenols avec des pluies qui se bloquent en direction des Cévennes, en direction donc évidemment de l'Ardèche où l'on a eu de fortes inondations la semaine dernière. Donc l'épisode méditerranéen, c'est vraiment le conflit de masse d'air entre un air très chaud qui remonte de Méditerranée et de cet air beaucoup plus froid en altitude. Et donc conséquence, les pluies peuvent être localement dévastatrices comme ce fut le cas la semaine dernière. On attend donc de nouveau un épisode méditerranéen entre ce soir et samedi avec de nouveau de fortes précipitations. Qui vont malheureusement arriver sur des sols déjà saturés en eau. Donc préparez-vous, on attend beaucoup d'eau dans les jours et dans les heures qui arrivent autour du golfe du Lion, mais également en direction de la Côte d'Azur et de la Corse. Alors ce matin, un temps plutôt calme, temps très brumeux, notamment sur les régions de l'Ouest, temps très brumeux également sur la Normandie. On retrouve également un temps assez mitigé autour du golfe du Lion avec le vent d'OTAN qui rapporte ses quelques nuages. Et puis dans l'après-midi, c'est globalement une belle journée à l'échelle nationale, hein, du soleil au nord, du soleil à l'ouest ou encore au pied des Pyrénées. En revanche, ça va commencer à se dégrader autour du golfe du Lion avec peut-être quelques orages en direction des Cévennes, de l'Aveyron ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Des orages également en remontant vers le Jura. Côté température, température contrastée ce matin. Fraîcheur en Normandie avec seulement 5 à 6 degrés ce matin contre déjà 17 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront globalement de saison et relativement douces dans le sud avec 22 degrés pour Marseille. Vous aurez 26 degrés pour le Pays Basque, 23 degrés à Limoges et localement 18 degrés sous le soleil de Paris.